Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission « Vivre libre, au-delà des sentiers battus ». Nous allons en parler pour voir comment faire pour accéder à ces endroits non communs. Bonjour Farzad. Bonjour Guy. C'est vrai que c'est des endroits non communs, des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, c'est du hors-piste. Du hors-piste dans les conversations du quotidien, de nos entreprises, de nos assos, de nos familles. C'est ça. Et à chaque fois, on pourrait dire qu'on est à côté de la plaque. Mais on est là pour. Ouais. Et... Mais c'est difficile maintenant de considérer un monde où les sentiers ne soient pas battus. Parce que, en fait, tout se fait à travers... toujours les habitudes, les trains-trains, et puis on les enseigne à nos enfants. Tout le monde vit comme ça. C'est depuis des perpétuellement comme ça. Tout le monde fait, et puis on répète. Mais moi, je crois que si on pouvait parler peut-être de ça, parce que ça me semble très important aujourd'hui dans notre société de voir. Comment vivre sans s'éterniser dans les habitudes et les trains-trains. Commençons par ce que tu disais, si tu veux bien. Tu disais que, à l'instant, que on perpétue quelque chose de génération en génération, comme s'il y avait un effet d'entraînement. Exact. Ouais, ouais. Et moi, ça me rappelle un film de Charlie Chaplin, où c'était l'un des premiers films en couleur. Il en a fait deux versions d'ailleurs, une en noir et une en couleur. Et le personnage, Chaplin, Charlot, il se promène dans la rue et puis il pense à rien, il est bien, il regarde les gens, il leur dit bonjour, tout ça. Et tout à coup, il voit dans la rue un drapeau rouge. Il le ramasse et il commence à le secouer comme ça en disant « C'est à qui ? C'est à vous ? C'est à vous ?» Et puis tout à coup, il y a des centaines de gens qui se rassemblent derrière lui avec des banderoles, avec des drapeaux en signe de protestation. Et lui, il court pour leur fuir. Mais eux, ils le suivent pensant qu'il est en train de protester contre quelque chose. Ouais, ouais. Et à un moment donné, lui, il ne sait pas quoi faire. Il jette le drapeau, il sort dans un coin de rue, il s'en va de tout ça. Et il me semble qu'on est dans un effet d'entraînement un peu comme ça. L'enfant va naître, il est innocent, il dit bonjour à tout le monde, et puis il va lui arriver des trucs dans la vie. Ouais. Il va lui arriver des trucs et tous les gens qui vont être autour de lui vont dire c'est ça. Là c'est une injustice, là c'est un machin, là faut réagir comme ça. Et ça se perpétue. Ouais, ça se perpétue et puis en fait ça devient même laid parce que là-dedans il y a de la violence. Parce qu'à chaque fois qu'on veut quelque chose, on veut changer quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas à notre goût, et comme sur cette planète, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à notre goût, et donc on veut beaucoup, donc on fait beaucoup de choses pour se rebeller contre des choses, on a des centaines de... La liste, elle est grande, de tout ce qui ne va pas, et il faudrait faire une révolution tous les jours, avec des pancartes et tout ça, pour pouvoir y remédier. Et encore... On le fait depuis tellement longtemps et c'est devenu une habitude et ça ne change rien. Et on a l'impression qu'on fait quand même parce que ça doit changer. Donc on a toujours cet espoir en fait. Mais dans cet espoir, il n'y a rien. C'est du vide. Peut-être que c'est cet espoir-là qu'il faut aller voir pourquoi nous sommes embrigadés dans ce genre d'envie que les choses soient à notre goût. Alors voyons déjà cet effet d'entraînement. Sous différents points de vue. Là tu as pris le point de vue de celui qui a envie d'avoir justice par exemple, ou d'atteindre une quête. Imaginons que c'est celui qui tient la banderole et puis il sait ce qu'il veut, il sait pourquoi il veut, ou c'est la femme ou l'homme politique qui part à la conquête du pouvoir, etc. C'est un point de vue quand même assez particulier. Il y a de l'engouement. Il y a un engouement extraordinaire qui veut que tout le monde soit avec. D'ailleurs, même qui parfois refuse que certains ne soient pas avec. Oui, oui. Et puis, on est mécontent même quand il n'y a pas trop de monde. Ouais. On dit, mais tu vois comment les gens sont maintenant. Ils sont tous égoïstes. Ils ne participent pas. Faut les forcer. Voilà. Voyons maintenant la chose de l'effet d'entraînement d'un autre point de vue.
Prenons le point de vue de quelqu'un qui a été invité dans le groupe. Il a été invité dans le groupe, mais lui, il voulait rien. Ouais, ouais. Il s'est retrouvé dans ce groupe pour une raison. Parce qu'on l'a embrigadé, tu veux dire. On l'a embrigadé, mais lui, il n'a pas trop compris même l'argumentaire, pourquoi je suis là, tout ça. Oui, mais il a vu qu'il y avait des gens sympas, il était seul à la maison, et puis il s'est retrouvé dans ce groupe. Comme beaucoup l'ont fait, d'ailleurs. Comme beaucoup l'ont fait. Je regarde les Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de gens comme ça qui étaient intéressés. C'était un amusement, c'était quelque chose de bon. Tout le monde venait, c'était convivial. Mais en fait, il y avait des gens qui n'avaient pas cette intention de... Ils n'avaient pas besoin. Ça peut être un bon exemple. Mmh. Il y en a aussi d'autres, comme par exemple ceux qu'on invite dans une association. Mais qui derrière a des buts, on va dire, racistes ou politiques ou autres, mais qui ne sont pas avoués dès le départ. On peut prendre le cas des gens qu'on invite dans des groupes de motivation, par exemple, et derrière, il y a une idéologie. Ouais. Il faut vénérer ou aimer tel gourou du développement personnel, telle théorie, tel outil, etc. Il y en a plein. Si on veut voir, en fait, il y a les sectes dans lesquelles... La personne va être intégrée et puis va dire, tu sais, un barbecue ou un dîner partage. Mmh. Et tout à coup, la personne est intégrée à quelque chose. Ouais, elle se retrouve entraînée dedans. Mmh. Mais ce n'était pas quelqu'un qui défendrait l'idéologie première du truc. Mmh. Mais elle s'est retrouvée dedans. Et puis, elle a commencé à goûter et puis elle a dit, ouais, finalement, c'est bon. Ouais, et puis j'ai trouvé quelques amis quand même. Ouais, c'est sûr, il y a des mauvais côtés, mais bon. Elle est bonne. L'idée derrière, elle est bonne. On se fait une raison, c'est comme ça. Donc, tu parlais tout à l'heure justement de cet engouement pour être acharné à répéter les trains-trains. Toute une vie, c'est rentré dans les mœurs et tout ça. Et je crois que chacun d'entre nous, on y rentre comme ça, sans conscience, en fait. On n'est pas conscient de ce qui se passe. On est juste happé par un mouvement qui se fait. Et on te dit, il y a une promesse quand même. Quand tu rentres là-dedans, il y a une promesse. Il y a quelque chose de bien quand même. L'idée, elle est pas mal. Il y a quelque chose qui peut plaire, qui peut arranger, qui peut faire des choses. Mais en fait, on ne sait pas que, en fait, on est en train d'idéaliser la vie. On n'est pas en train... La vie ne se vit pas à ce moment-là. On est juste en train de l'idéaliser. C'est une idée qu'on se fait de la vie qui nous entraîne à vivre d'une certaine façon. Exactement. Mais on ne vit pas ce qu'il y a là maintenant. Non, on ne vit pas. On vit juste ce qu'on aimerait, ce qui est prôné, ce qu'on prône, la promesse qui est derrière tout ça. Et donc, on la poursuit. Et pour poursuivre cette promesse, il faut faire des choses pour pouvoir avoir cette promesse. Et cette promesse, tu l'auras si les gens du gouvernement ils se plient, si on te donne ce que tu veux, si tu es bien loti, si tu es bien servi. Donc, en fait, on est tous en train de se plaindre qu'on est mal servi. Mais je crois que, tu vois, dans ce monde, toute la problématique, en fait, de vouloir prendre les pancartes et aller manifester contre telle ou telle position du monde, ou dans laquelle tu te retrouves un peu brimé, ça a toujours été comme ça. Même, tu vas à la maison, avec l'enfant avec sa mère, il fait ça. Tu vois ? Mais on n'a jamais changé rien. Ce sera toujours... C'est un point de vue intéressant, ça. Le point de vue dans l'effet d'entraînement dont on parle, le point de vue de l'enfant qui va naître à l'intérieur de ce groupe. Mais tu peux l'élargir à beaucoup plus après. Le groupe, c'est qui ? La société, c'est qui ? C'est nous. Après, on devient la société. Et chacun d'entre nous, on perpétue la même chose, finalement. On perpétue ce qu'on veut, ce qu'on aimerait, ce qu'on voudrait. Mais on n'a jamais accepté, on n'a jamais accepté la société telle qu'elle est. On n'a jamais voulu regarder une société laide. Pourquoi ? Parce que cette société laide, il faut que tu réalises que quand tu la vois, tu n'arrives pas à te regarder en face. Parce que c'est toi qui l'as mis en place. Et le tout, c'est de ne pas aller changer ce que tu as mis en place. C'est surtout de changer c'est la chose qui a mis la société en place. Mais ça, on n'est pas prêt à le faire. On voudrait changer le monde, mais on n'est pas prêt à se changer soi. C'est la vision des maîtres spirituels.
Par exemple, Jésus, il dit que celui qui a donné à manger aux pauvres, qui a donné un toit aux sans-abri, c'est à moi qu'il a donné un toit. C'est moi qui l'a habillé. C'est moi à qui il a donné à manger. Parce qu'en fait, ouais, je connais ça. Ouais. Lui, son corps, c'est pas que l'individu, c'est tous les individus. C'est ça. Aujourd'hui, peut-être qu'il dirait que je souffre parce que l'environnement souffre, la nature est en train de souffrir, parce qu'on coupe des arbres, parce qu'on pollue la mer, etc. Et c'est pas si loin que ce que Bouddha a dit. Lui, par exemple, il dit qu'il y a une infinité d'ignorance et tant qu'il y en a encore un peu, je suis dévoué à continuer à être conscient, à continuer à le voir, à continuer à œuvrer et à dire qu'on commence. Et en fait, il y a une acceptation, un accueil de la réalité telle qu'elle est chez ces personnes-là. Alors bien entendu, moi je les ai lus, mais ce qui m'intéresse, c'est de le vivre. Parce que moi je lis ça, je me dis c'est extraordinaire. Parce qu'ils sont en paix, ils ont une paix qui ne dépend pas des circonstances qui vont se produire dans la vie, ni même de leur propre vie physique, du corps. Oui. Donc ils ont une perception qui va au-delà même du temps, de toutes les générations. Ils sont complètement désengagés de tout mouvement d'entraînement. Ouais. C'est comme le petit enfant qui certes est né au niveau de son corps dans le groupe qui est entraîné, mais qui à un moment donné sort de là, comme Bouddha l'a fait, il est sorti de là, en s'affirmant en disant non, je ne serai pas roi, je ne serai pas prince, ou comme Jésus l'a fait en disant je sors de là, je suis ce que je suis ce que vous attendiez, mais si vous le vouliez, si vous le voulez pas, ben c'est pas grave, j'irai ailleurs pour l'enseigner. Donc eux, ils avaient rompu l'engrenage de l'effet d'entraînement, ou s'ils en étaient sortis. C'est quelque chose qui vraiment m'intrigue. Je suis curieux de connaître ça, de le vivre. Oui, mais tu vois, dans ce monde, justement, vivre ça dans ce monde, ça demande une capacité de renoncer aussi à tout ce que tu connais déjà. Parce que ce que tu connais, c'est de suivre et puis de répéter et puis de faire le train-train et comme tout le monde fait. Mais en fait, ça n'a aucun but. Mais on croit qu'il y a quelque chose à en retirer. Ce que tu vas en retirer, eh ben, c'est juste le fait que tu vas changer la donne matérielle, mais pas ce qui a produit cette situation-là. La situation, elle va peut-être changer, tu vois, mais ce qui a produit la situation... Tu t'es attaqué à la conséquence, mais pas à la cause. Voilà, elle est encore là. Et c'est à la cause qu'il faut aller voir. Et le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on n'est pas prêt à lâcher ce qu'on veut, parce qu'on veut tout de suite la récompense immédiate qui peut me satisfaire, tu vois. Et dans ce cas, on est dans une société où tout le monde cherche son intérêt quelque part. Parce que tu regardes, enfin, moi je le voyais comme ça, les gilets jaunes, j'étais très étonné de les voir, tout le monde... Se soulever. Ensemble. Avec une solidarité. C'était beau, tu vois. La première semaine. Oui, il y avait une beauté là-dedans. Ouais. Mais après, j'ai remarqué que, en fait, tout le monde, à la fin, tout le monde voulait quelque chose. Tout le monde voulait gagner quelque chose. Il dit, Macron, donne-nous, tout ça, c'est pas bon, fais quelque chose pour nous, on fait pitié, tu vois. Mais en fait, on est en train de pleurer sur notre sort. C'est un sort que chacun d'entre nous, en faisant notre petite vie comme ça, en répétant tout le temps, ben c'est ce qu'on fabrique. On fabrique un sort. Et la société telle qu'elle est, ben c'est le produit de chacun d'entre nous qui avons fait ça. Donc, si on change, soi, on s'aperçoit que soi peut faire autrement. OK ? Tu peux faire autrement. Peu importe, tout le monde là-bas, tu sais, tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont emmagasiné pour eux, tu sais, s'ils sont des riches ou des pauvres, peu importe. Mais toi, tu peux faire quelque chose.
tu peux abandonner, tu vois, cette niaque que tu as à toujours vouloir quelque chose. Et là, déjà, tu te retrouveras peut-être un peu en paix. Et je crois que c'est ce qui se passe. Tu parlais de Bouddha, je crois que c'est ce qu'il a fait. Il n'avait plus envie de rentrer dans ce jeu avec tout le monde, parce que c'est un jeu de la société qui se perpétue toujours de génération en génération, de politique en politique, de pays en pays. Mmh. Et c'est ça notre grand souci, peut-être. Oui, c'est vrai que le père de Bouddha voulait absolument que lui, il soit un grand guerrier, qu'il ait son royaume et qu'il perpétue la tradition. Mmh. Parce que le sage qu'il avait accueilli à la naissance lui a dit « Votre enfant deviendra le plus grand des empereurs si et seulement si il refuse la voie spirituelle. Mmh. Parce que s'il accepte cette voie-là, il sera l'un des plus grands maîtres de toute l'histoire de l'humanité. » Le maître. Voilà. Et en fait... Le problème de ce maître, c'est que sa destinée est la pauvreté spirituelle. Mmh. C'est-à-dire l'abandon de tout ce qui est à désirer, l'abandon de tout ce qui est à vouloir dans ce bas monde. C'est ça. Et ça, c'est le choix qu'a fait Bouddha en quittant femme, enfant, femme au pluriel, puisqu'il y en avait plusieurs, en quittant la promesse de jeunesse éternelle, parce qu'il voyait les gens qui vieillissaient. Quand on lui disait « mais la jeunesse est éternelle », il n'y croyait pas un mot. Donc il fallait qu'il sache. Mais tu sais, mais les gens croient aujourd'hui quand même, ils croient que la jeunesse est éternelle. Hein. Oui, regardes comment les magasins aujourd'hui, ils sont achalandés de petites crèmes qui défendent la ride de venir. Tout ça, les gens y croient, ça. Mais oui. Bah, ils ont besoin de cette petite crème pour pouvoir garder cette idée que la jeunesse est éternelle. Mais l'illusion de conserver les plaisirs ne date pas d'hier, puisque... les élixirs pour rester jeune, les élixirs au mercure, dans les charlatans qu'il y avait chez les empereurs chinois, se tuer à boire du mercure. Il y a même un des présidents français qui faisait ça pour pouvoir durer. Je crois que c'était Mitterrand. Chacun a son petit médium, son petit magicien, son petit thérapeute pour calculer ses énergies, pour lui dire la bonne aventure comme Élisabeth Tessier, etc. Mais en fait on se rend compte que tout ça, ça mène à rien, puisque ces gens-là, de toute façon, ils meurent. Et même dans les voyages de Gulliver, de Jonathan Swift, à un moment donné, ils rencontrent une communauté de gens très très riches, que beaucoup de gens venaient voir des quatre coins du monde leur offrir les choses les plus extraordinaires, pour pouvoir un peu boire de l'eau de la fontaine de jouvence qu'ils avaient chez eux. Wow. Mais ils ne pouvaient pas les voir réellement. Et Gulliver, et lui, il a eu l'intuition de voir ce qu'il y avait derrière. Et il a vu que, comme il a été accepté dans la communauté, il a vu que les gens pouvaient durer dans le temps, mais qu'ils restaient malades. Malades psychologiquement, malades physiquement. Mais ils arrivaient un peu plus à durer dans le temps. Mais ce n'était pas ça la liberté. Ouais. Et on voit que, nous, dans notre sujet ici, que cet effet d'entraînement est rompu par celui qui voit la réalité qu'il y a derrière l'image qu'on lui donne. On va lui dire, regarde, la star est belle, la star est confiante. Mais en fait, non, la star, elle est pas du tout ça. Non. C'est quelque chose de totalement autre. Ouais. Et ce que tu vois, c'est totalement faux. Ouais. Ce qui est bon de faire, c'est de le voir totalement, entièrement. De voir la réalité de ce qu'il y a. C'est-à-dire mais pas de voir la réalité, de ne pas voir ce que tu penses de ce que tu vois. Parce que penser à ce que tu vois est différent de voir ce qu'il y a. Parce que quand on pense, on voit ce qu'on pense. Et ce qu'on pense, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions parce que c'est un entraînement. Ça fait partie du groupe d'entraînement qui se perpétue, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Et comme un peu une star, par exemple, on va dire Céline Dion, les gens vont dire elle est belle, elle a du talent, elle est généreuse, elle est très humaine, elle est très avenante. Oh là là, c'est joli, c'est bon. C'est beau, c'est pour moi. Mais si tu grattes un peu, tu regardes derrière, tu te rends compte qu'en fait, non. Que quand il y a une fan qui arrive, qui chante les larmes aux yeux pour elle, elle prend même pas la peine de descendre de la voiture. Elle le regarde comme si c'était un animal. Ouais. Ou alors qu'elle porte des vêtements en peau de serpent ou en peau d'animaux. Ouais, ouais.
Ou alors qu'elle dit, eh ben, moi j'ai des hangars de vêtements. Mais tout ça, ça montre qu'il n'y a pas de générosité derrière. Bien sûr. Et qu'il y a une envie de gagner plus, d'avoir plus, d'être plus. Et que cette envie a une limite. Donc dès lors qu'on voit cette limite, en tant que personne, on va dire, consciente et lucide, qui nous sommes posés là autour de ce plateau pour mettre tout à plat, là, comme ça, on se rend compte de ça, on le voit. Et tout à coup, cette perception n'est pas du tout engagée. Il n'est pas du tout entraîné. Oui, la vie prend une autre dimension à ce moment-là. Bien sûr, parce que là, tu regardes les choses telles qu'elles sont. Tu ne regardes plus les choses comme tu aimerais. Parce que le problème avec tout cet engouement de suivre le troupeau, c'est qu'il y a une promesse derrière quelque part. Tu vois, et cette promesse, elle est ancrée dans nos gènes quelque part. Et on veut la promesse, on veut quelque chose qui va nous sortir de notre petit train-train, qui, sans amour, sans joie. Donc on veut quelque chose. Et le tout, c'est de voir qu'il n'y a rien, il n'y a rien à gagner. Et que quand tu as vu qu'il n'y avait rien, eh bien, tu acceptes ce qu'il y a. Et en acceptant ce qu'il y a, ben, tu t'aperçois que tu es beaucoup plus heureux parce que tu n'as plus de tracasserie à vouloir atteindre ce que tu aimerais. Et tout ça, c'est un soulagement. Et personne ne peut te manipuler à ce moment-là. Bien sûr. Personne ne peut te faire une promesse à laquelle tu viendrais croire. Bien sûr. Tu es soulagé, tu es totalement libre, libre de quiconque qui te dit une promesse. Tu vois ? Et c'est pour ça que tout cet engrenage qu'on a, c'est tout simplement parce qu'on a cru à quelque chose qui était faux. Donc, on court derrière. Alors que tu dois être toi-même ton propre... Tu dois avoir ta propre vision. Tu sais, mais pas la vision qu'on t'a donnée. La vision que tu as, c'est de regarder les choses dans la réalité sans se faire croire qu'il y a quelque chose à gagner. Tu vois ? Et là, tu as ta propre vision. Tu es authentique, tu es vrai, tu es sincère, tu es avec toi-même et tu ne dépends de personne. Et est-ce que tu penses que le fait de faire ça jusqu'au bout, même au prix de sa vie, ça vaut le coup? Ben, c'est-à-dire que tu es vrai, tu es authentique et sincère, oui. Mais à un moment donné, s'oppose à toi quelqu'un qui te dira, si tu ne te mets pas dans le rang, si tu ne te mets pas dans l'engrenage qu'on a construit pour la société, si tu ne fais pas partie de cet effet d'entraînement, on va te tuer. Tu sais, de toute façon, on les tue de toute façon. Que tu aimes ou pas, que tu te mettes ou pas, on va te tuer. Parce que, tu sais, cette société, elle est basée sur un système de récompense et un système de punition. Tu fais bien, tu te moules, tu es récompensé. Tu te moules pas, on te punit. T'envoie en prison, c'est les voyous. T'sais. Donc, tu as tout intérêt d'obéir, tu vois. Et toute cette obéissance, en fait, t'emmène à une vie médiocre. Et à mon avis, tu vois, que tu dois vivre 2 heures, 10 ans, 20 ans ou 50 ans, que ces moments où tu vis, même s'ils sont courts, même si tu dois mourir, qu'ils soient joyeux. C'est la plus belle chose qu'on puisse se donner à soi-même. C'est d'être heureux, de vivre l'instant qu'il y a. Peu importe ce qui va t'arriver après. De toute façon, ce qui va arriver, tu ne peux pas l'éviter. Tu vois ? Mais en vivant comme ça, tu crois que tu peux l'éviter. Tu crois. Donc, quelque part, seul vivre libre compte. Bien sûr. Tout le reste n'est qu'illusion. Bien sûr, c'est une illusion. Et sur ces belles paroles-là, Farzad, on va devoir finir notre émission. En espérant que cette joie de vivre, tu vois, se propage un peu partout, dans La Réunion déjà, à La Réunion, puisqu'on est sur une télé créole ici. Vivre libre, au-delà des sentiers battus, c'est une émission qu'on a constituée pour ce cadre-là, télé créole. Et on vous souhaite tous d'y arriver aussi. Allez, belle vie à vous. Changer on agit comme de vrais robots sans raisonner sur le programme.
sans la joie d'être en vie.